Hey! Salut tout le monde, c'est Buscaman, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, on est sur Battlefield Hardline. Alors, vu mes déplacements, bien entendu, on est sur PC. Le jeu est en normal, pardon. Je l'ai pas mis en élevé, j'aurais pu, même en ultra, mais après, pour moi, c'est genre un peu moins de 60 FPS. Et si j'ai envie de vous produire un bon gameplay, voilà, c'est pas le top du top. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on est sur la première map de la bêta. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo dessus. On est en team deathmatch, donc match à mort par équipe. J'avais pas forcément envie de lancer de la conquête, c'est vraiment la première vidéo que je voulais faire. Donc voilà, j'ai pas lancé un mode de jeu un peu long. C'est vrai que la conquête est plutôt cool. Donc là, je trouve personne. Normalement, on n'est pas beaucoup aussi. Alors attendez, j'aimerais bien faire un petit kill quand même. Donc le jeu est vraiment fun, je vais le comparer un peu à BF4 et tout. Parce que je pense qu'on va pas le comparer à BF3, ça servira à rien. Sachant que BF4 a tellement été comparé par BF3, donc autant... Voilà, first kill. Deuxième kill, ça va, on se met bien. Un petit troisième, attendez, je recharge. On était sûr qu'il était là-dedans, lui. C'était presque sûr. Ils l'ont tué. Donc on est plutôt chaud. Ça commence bien, c'est pas mal. Là qu'on va recharger juste l'arme secondaire. Donc lui, il avait quoi? Une aéro machin chose, là. Donc moi, je le préfère à BF4. Alors pourquoi, vous allez me dire. Au niveau des armes, déjà. Voilà, moi, vous savez que je suis beaucoup plus arme urbaine. Enfin, peut-être que vous savez pas, mais voilà, je vous le dis. Donc c'est pour ça que ça me fait plutôt assez kiffer ce petit hardline. Moi j'attendais tellement un truc policier flic et tout. Pour moi c'est l'un... Enfin, ça peut être l'un des meilleurs BF. Alors peut-être qu'il y en a qui sont encore dans leur vision la guerre et tout. Je sais pas où il est le type là, il doit être en haut ce bâtard. Presque sûr en plus. Mais moi j'ai un peu dépassé ça. Enfin, en fait personnellement j'en avais strictement rien à foutre que BF soit ça, voilà, la guerre ou pas. Ça change plus au niveau des maps, là on est beaucoup plus sur de l'urbain, de tout ça. Ce que je préfère largement, on a l'impression d'être un peu dans un GTA, vous savez, truc un peu stylé et tout. Ah, j'avais oublié qu'il y avait l'UMP. On dirait un petit peu un GTA en fait, c'est vraiment stylé à la vue FPS et puis on se tape des barres, tu vois. Donc vraiment cool. Au niveau du gameplay, c'est putain. Franchement, on n'est pas lourd, mais en même temps, là vous devez vous dire, il court vachement vite et tout, c'est normal, j'ai augmenté mon FOV. Mon champ de vision il est à 110 au lieu d'être à 60 de base, donc c'est clair que sur console on a un peu l'impression de faire du surplace. Ça qui est bien avec les versions PC, c'est vrai que je me suis un peu tâté. Parce que c'est vrai que j'ai les deux consoles, en ce moment j'ai un peu arrêté le PC et tout. Je me suis dit est-ce que BF on le prend pas sur console et tout. Et bah non, voilà, bah BF, voilà, c'est quand même plus PC. Enfin, non, ça dépend après de vos styles de jeu, mais je préfère quand même manier à la souris, il y a plus de trucs et tout. Par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'il est un peu mal optimisé. On disait la même de BF4, ça s'est grandement amélioré. Donc là, c'est vrai que je fais pas tourner hyper... je crois que c'est encore pire que la bêta. La deuxième bêta. Déjà, la première bêta, ça passait trop crème. Mais la deuxième, c'était un peu moins bien. Et là, c'est encore pire le jeu une fois sorti. J'ai vu comment il tournait sur PS4. Bon, après, il y avait pas mal de... Le jeu était assez sombre. C'était une mission en solo. Peut-être que le jeu est plus bon en solo, mais... J'ai mis le graphisme en ultra dès le début pour voir un peu ce que ça donnait et tout. Et je crois que le jeu était plus beau sur PS4. Alors je sais pas, ça doit être sûrement la campagne, je pense. Oh d'accord, il m'a défoncé la gueule lui. Ça doit sûrement être au niveau de la campagne. Peut-être que le jeu est un peu plus beau, tout ça, je sais pas. En tout cas, le jeu sur console est très très beau. Par rapport à ce que j'avais vu sur Xbox One, je parlais moi dans ma précédente vidéo, ma dernière vidéo sur BF Hardline de la bêta. Je parlais vraiment sur la version Xbox One. Ah d'accord, c'est un poteau, mon gars. C'est un plot, je crois que c'était un type. Trop de réflexes et tout, le mec il se croit trop. Mais c'est vrai que le jeu sur Xbox One il était vraiment moche. Hein. Il était pas beau du tout. Hein. Est-ce qu'on a un petit battle pack? Oh, je vais la. Merde. Donc c'est bien, c'est que moi vu que j'avais précommandé le jeu, bah, enfin peut-être, je pense que ça va être une petite version dès que. Enfin. La semaine de la sortie, sûrement. Bah, dès que vous achetez le jeu, vous avez 4 ou 3 battle packs offerts et tout. Avec des choses plutôt intéressantes. Déjà ça touche vraiment bien sur ce jeu.
Enfin, je veux dire, les balles, voilà, y a pas de balles qui vont à côté. Le tick rate, il a dû être amélioré. Enfin, c'est vraiment top. Peut-être prendre un peu l'MP5 là. Toujours les mêmes armes de départ, voilà, tout simplement. Ce que j'aime aussi, c'est au niveau des camouflages. Je trouve franchement qu'ils ont fait un super travail, franchement, Visceral Games, sur ce jeu. Il y a de plus en plus de nouveaux studios. Je sais pas si vous avez remarqué. On va parler de Call of Duty, tout ça, mais il y a de plus en plus de nouveaux studios. Par exemple, le studio de code AW, c'est Sledgehammer. Ils avaient bossé sur MW3 à l'époque, mais ils n'avaient jamais fait de code à eux tout seuls, merde. Et il y a de plus en plus. Enfin, c'est bien qu'ils rajoutent des studios et tout sur leur. Déjà, ça peut. On peut avoir une licence annuelle, du coup, parce qu'il y a vu qu'il y a plusieurs studios qui bossent sur plusieurs. Enfin, sur un jeu en même temps. Ça permet d'avoir un renouvellement chaque année. Bon, ce qui n'est pas forcément bien aussi à ce niveau-là. Enfin, moi j'aime bien quand un jeu dure quand même assez longtemps. Un an et demi pour BFK, je pense que c'était bien. J'espère qu'il durera un petit peu plus ce Hardline, parce que je le kiffe vraiment énormément. Alors, il y a quelques petits problèmes, genre au niveau des spawns, des fois c'est un peu foireux. C'est normal, hein, c'est toujours comme ça, je pense, au niveau des débuts du jeu, c'est toujours un peu foireux les spawns. Putain, bon, j'ai changé d'arme parce que là je commence à faire de la merde et tout. C'est toujours un peu foireux. Les spawns au début, c'est un peu normal, je pense. Mais ce que je voulais dire, c'est au niveau des camouflages, je trouve qu'ils ont fait vraiment un super truc. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on avait plus voilà, le camouflage que j'ai là, par exemple, un peu guerre militaire, tu sais, enfin voilà, les trucs un peu de base et tout. Et ce qui est bien là, c'est que je vous montrerai tout à l'heure, si j'y pense, c'est qu'on a des camouflages maintenant. Ah, mais ferme ta gueule, j'en étais sûr qu'il allait me buter. On a des camouflages genre type circuit électrique. Ou genre c'est carrément ben, un circuit électrique en camouflage, enfin c'est vraiment stylé, regardez je vais vous montrer. Je l'ai débloqué dans un battle pack celui-ci. On a les camouflages en or, vous voyez, on a des camouflages plutôt assez sympas, bon celui-là il coûte vraiment cher. Vous voyez un peu ce que ça donne, bon il est pas très beau en game. En plaqué or, voilà on a plusieurs trucs. Je vais mettre le zèbre. Ça fait un peu gay pride, mais bon c'est pas grave. Donc vraiment vraiment cool à ce niveau-là. Au niveau des accessoires, alors je sais pas trop ce que. Enfin, vous saviez, dans BF4, on n'avait pas comme dans BF3 une poignée et c'était fini. Enfin, on avait deux poignées, mais je veux dire, sur BF4, vous aviez 36 000 poignées, mais en fait, au niveau des stats, c'était toujours la même chose. Là, ils ont. Je sais pas, c'est bizarre. Oh là là, c'était magnifique ça. Genre, par exemple, on a une poignée ergo. T'es sérieux mec ce que tu me mets. Mais vous avez genre cross rétractable et tout, mais vous pouvez pas voir trop ce que ça donne sur votre arme. Enfin je sais pas comment dire. Genre vous avez. Regardez, vous pouvez pas choisir. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs poignées, mais on sait pas laquelle. Je vous montre avec mon doigt comme un imbécile, mais. Vous savez pas laquelle elle va être mise sur votre arme, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. C'est juste ça que je voulais dire. C'est vrai que beaucoup c'est. Avait dit sur BF4, ça sert strictement à rien qu'ils mettent je sais pas combien de poignées. Oh putain. Si c'est les mêmes stats, ça sert à rien. Bon, c'est un peu vrai en même temps, mais bon, après, c'est juste pour le design. Hein. Moi, je préférais par exemple avoir une poignée longue au niveau du design plutôt qu'avoir une petite crosse en dessous, enfin, un truc comme ça. Est-ce que j'aime bien aussi, c'est le niveau de difficulté qui est quand même assez élevé. Au niveau de. Pour acheter des armes. C'est-à-dire, vous êtes obligé, par exemple, pour avoir 30 000, là, je suis bientôt à 30 000, j'ai dû faire. 5, je sais pas combien de parties, une petite dizaine, un peu moins de 10, un peu moins de 10 parties. Ah merde, je le voyais pas avec la vitre. Ouais, parce qu'il y a des types. C'est moi, je l'ai tué? Ouais, je l'ai tué. Hop, faut que tu tailles. Oh merde, on était dans une putain de série là et puis il y avait un peu de monde. Mec, il a trop lolol quoi en photo. Donc, ouais, en fait, enfin genre, vous faites 10 parties, vous achetez une arme et après vous recommencez pour avoir le maximum de points et il y a énormément de choses pour XP assez vite. Oh, j'ai pas de shoot. Oh, je suis déçu. Il reste 6 HP. Genre, vous pouvez buter des petites caméras, ça vous rapporte un peu de thunes, genre 100 ou 150, je sais plus. C'est toujours appréciable, donc vous pouvez un peu XP à droite à gauche et tout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est un peu la difficulté, tu sais, t'es là, tu veux cette arme-là précisément, et donc du coup tu vas tout faire pour l'avoir, et tu sais, une fois que tu l'as, voilà, tu la testes et tout, et puis bah, si t'en veux une autre, voilà, tu mets du temps à XP. Donc en fait, ça, vous farmez un peu l'arme que vous avez envie d'avoir,
sans que vous la débloquiez automatiquement au niveau de votre grade ou des défis que vous avez faits. Et je trouve que c'est encore plus gratifiant du coup. Donc ça c'est vraiment un système que j'adore. Le fait de... Bah ouais, d'acheter ses armes en fait, ça c'est vraiment... Donc, pour moi, Hardline c'est peut-être le meilleur FPS pour moi hein, qui est sorti, voilà. Parce qu'il y a tout ce que je voulais dans les FPS qui est réuni en fait. Alors après, faudra voir au niveau du long terme. Je veux que tu lances la grenade s'il te plaît, voilà. Faut voir après au long terme ce que ça donne et tout, au niveau des patchs, des mises à jour et tout. Mais là pour l'instant le jeu est putain de... Bon, moi j'aimerais bien qu'il l'optimise un petit peu plus. De toute façon j'avais pas tardé à m'acheter une nouvelle config. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il l'optimise un petit peu plus pour profiter un petit peu des graphismes. Merde, voilà, je me suis repéré comme un idiot. Alors j'ai vu un mec là. Vous avez vu ce que j'ai fait? Genre j'ai fait un vol planier et tout, c'était stylé. Alors attendez, lui on va le laisser tranquille parce que... C'est bon, on a réussi. Oh putain, nice. On va voir ce qu'il y a en haut. Ah j'aime bien, je crois pas que sur BF4 il y avait le symbole, votre logo qui se mettait sur l'arme secondaire, maintenant oui. Va te faire foutre toi, t'es sérieux mec? T'es sérieux d'attendre comme ça, genre que les gens y passent? T'as quoi comme arme? ACWR, celle déjà que j'ai. Donc le petit camouflage zèbre est plutôt cool. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont un peu, on va dire, modernisé le genre de BF. Plus la guerre, des nouveaux camos pour être un peu plus fun et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Oh, il y a un sniper, on va essayer de le ken. J'ai l'impression qu'il y avait un... Alors faut bien faire gaffe aux mines. Attends, il y a un type. Il y a bien un type là. Bon, on va le laisser tranquille, je sais pas trop ce qu'il fout. Par contre, j'ai plus de balles. Hein. On va aller prendre son arme au mec qui campe là. Ça se trouve, c'est toujours le même à chaque fois. Là, il pue la merde lui. Hop, t'avais quoi? Ok, petite MP5 de base. Ça va être un peu dur d'aller buter le sniper. J'espère qu'il est encore là, mais on va essayer. T'as quoi en arme secondaire? Ouais, le petit gun dégueulasse. Alors, celui-là, il est vraiment pourri. Donc là, il y a les petites tyroliennes aussi. Hein. Ah putain, ils sont deux. C'est bon, il a buté les deux. Merci parce que j'étais un peu dans le mal pour le coup. Bon, c'est vrai, j'aurais pu utiliser le lance-grenade. Bon, allez, on va redescendre. Alors là, il y avait un type. Si je ne m'abuse, il y avait un petit coquin. Tu avais quoi, toi? D'accord, j'ai pas pu ramasser son arme, Osef. Celui-là, c'est vrai que la MP5 avec ce... Avec cette combinaison-là de viseur point rouge un peu bizarre et tout, j'aime pas du tout. Comme ça, on fait plutôt une bonne game. Deux ratio, on va passer en 13 du coup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire un peu sur ce Hardline. Mais vraiment, j'adore. J'adore. Et puis surtout le... Le fait qu'on puisse débloquer des armes dans les battle packs, je sais pas si je crois que j'en avais parlé en début de game, ça c'est vraiment énorme. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment pensé à la chose pour que ça soit fun. Que non, bâtard, putain. Puis les maps sont pas dégueu, hein, sincèrement. Ça fait un peu ghetto au stage et tout. Un peu ghetto et tout, mais je trouve ça vraiment cool. Donc apparemment, il y a que 4 DLC de prévu. Alors qu'il y en avait 5 sur BF4. Quand lui fait du surplace, c'est pour essayer de... C'est ce qu'on fait tous, hein, genre du surplace pour essayer... T'es genre, t'es en plein milieu de la map, y a rien autour, t'es vraiment
spotted à 200 km, mais tu sautes pour essayer d'éviter les balles, mais ça marche pas beaucoup. Ça marche pas énormément. Hein. C'est ce que tout le monde fait. Mais là, c'était vraiment drôle de voir le mec le faire en direct. Allez, bouffe ta tête. Vous avez vu aussi les hit marquants en rouge. Je préfère avoir les hit marquants en rouge que les doubles hit marqueurs qu'on a sur Advanced Warfare. Je trouve que ça fait plus. Je sais pas, ça fait stylé. J'aime bien. Encore lui, il s'est fait défoncer, mon gars. Il n'y a plus de chat, le pauvre, ou plus d'anus, ça dépend. Donc, je pense que je vais bien m'y mettre. C'est vrai qu'au départ, sur ma chaîne, il y avait beaucoup de Battlefield. Ah, et là, normalement, il y a une échelle, voilà. J'ai un peu arrêté parce que BF4, j'étais un peu lassé à force. Il faut dire que j'avais 600 heures dessus, ça avait... D'accord, j'ai même pas chopé d'assist ou quoi que ce soit. J'avais 600 heures, bon, c'est pas énorme en soi, vu le. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai lâché un peu. Hein. J'ai lâché un peu. Et ça, ça m'avait choqué en fait. Enfin, sur Hardline. Ouais, on va pas monter parce que lui, d'ici là, il va nous défoncer. Oh, dommage. En fait, quand. J'avais dit sur la bêta, ouais, il y a que ça comme arme et tout, ça m'avait fait flipper. Et en fait, bah, quand j'ai vu le jeu, quand j'ai eu le jeu en vrai, j'avais le même quota d'armes. Ça avait un peu cassé les couilles. Je me suis dit, putain, attends, il n'y a que ça et tout. Heureusement qu'il va y avoir les DLC, mais bon, voilà. Alors après, je sais pas le nombre d'armes qu'ils rajoutent en DLC. Je sais que sur BF4, bah, c'était 4 armes par DLC. Oh, bâtard. Oh, le bâtard. Il m'a one shot. Petite balle dans la tête. Balayer de planchette. Mais en fait non, bah, vu que vous en débloquez plein, par exemple dans le Battle Pack, j'ai débloqué ça, la L85A2 qu'on avait sur BF4 et sur BF3 aussi je crois, et celle-ci, qui est un peu un bout d'AC23. C'est un peu bizarre parce que elle, c'est l'AC23 sans la crosse, et celle-ci, c'est un peu une Vector, mais avec un bout bizarre à l'avant. Je sais pas, genre on dirait qu'ils ont un peu relooké les armes. Mais je suis pressé de l'avoir la Kalis parce que je l'aime vraiment. Toi tu die, BH. T'avais quoi? T'avais un snipe toi hein? C'est quoi ça? Ça doit être une ACWR encore. Ouais, c'est le mec qui nous a buté tout à l'heure. Oh! MDR. En fait, c'est ma touche pour m'allonger, c'est la même touche que pour taguer. Oh, le petit headshot critique. Ça, j'ai une bonne visée quand même. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à BF, mais toujours les bons petits automatismes. Donc lui, il a sauté, est-ce qu'il a flippé? Ça passe ou pas? Je pense pas, non. Voilà. Est-ce qu'on tente de sauter devant eux, c'est juste pour leur faire, juste pour les faire chier? Salut. Bon, en fait, il y avait personne. Un peu déçu. Hop, on va aller là-dedans. Il y a l'air d'avoir embrouille. Effectivement, il y a embrouille. Alors, je sais pas ce qu'il a fait devant moi, lui, il m'a fait un peu flipper. Je vais prendre ton snipe, ton petit Styler Elite. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est le même que je vous avais présenté aussi dans la bêta. J'ai cru que je l'avais brain, j'espère que mon pote s'en est occupé. Hein. Parce que moi, sinon, je suis pas dans la merde. Avec le sniper, j'ai un peu du mal. Oh non putain j'avais pas. Mais ça c'est un truc de ouf la manœuvre rectiligne. Putain j'avais pas rechargé. Et puis je voulais faire le con, j'aurais pu le tuer au G18 mais. Oh là là. Toujours le petit truc genre quand vous avez un ennemi qui est un peu planqué comme ça et tout, vous avez tendance à vouloir le tuer assez d'une manière classe, tu sais, genre tu sors ta plus belle arme ou ton arme secondaire pour faire un petit kill vraiment pour faire le chien, tu sais. Mais bon, là, ça n'a pas marché. Puis ça marche qu'une fois sur deux, de toute façon. Ah, c'est pas grave, on s'amuse. Vraiment fun, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, je voulais dire un truc, je sais plus quoi. Ah oui, voilà, ça, c'était le truc qui me dérangeait un peu. Ah merde, putain, j'ai plus le G18, quel con. Je croyais que j'allais tirer en rafale et tout, j'ai tiré qu'une balle comme un con. On va prendre le sniper. C'est au niveau des armes. Alors, on n'a jamais les mêmes armes. Enfin, il y a toujours une arme qui revient à chaque fois, la même.
Mais au niveau des créations de classes, sur certaines maps et tout, il n'y a jamais les mêmes armes en fait. Ça, je trouve ça un peu dommage pour le coup. En fait, si vous avez une arme fétiche, vous n'êtes pas forcément, vous pouvez pas forcément l'utiliser à chaque fois. Genre, il a pas pris sa tête. Enfin, j'ai quand même tiré avant et j'ai bien vu le truc. Mais en 31-18, c'est un peu mauvais. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il n'y a pas toutes les armes qui sont disponibles dans chaque map ou chaque mode de jeu, ça dépend. Donc c'est un peu relou. Mais bon, voilà. En même temps, c'est pas trop grave non plus. 31-20. Oui, que la con. Enfin, c'est quand même assez long, c'est en 300 points le match à mort par équipe. Donc du coup c'est un peu long. On l'avait déjà, mais c'était en 100 points sur PF4. Bon après il y avait des serveurs bien entendu qui le passaient en 300, c'était mieux quand même. C'est un peu long, je préfère en genre en 150 points. Oh merde, j'ai sauté, je voulais le ken. Itos. Là là là. Pas moyen d'annuler le parachute et de le remettre. Hop, donc là il y avait un type. J'ai envie de lui mettre un putain de flashcopte. Hop. Oh putain, il te marque. Un peu déçu là. Tinoscope ou pas? Est-ce qu'on fait la pute et on attend? Ce que je voulais faire, mais bon, il n'y a pas mieux. On se barre. Oh là là! Le mec il m'a cuté! Bon, le snipe il hit marque pas mal, hein, mais il faut mettre des balles, je sais plus quoi là avec. Bon, j'ai pas joué avec donc. Il y a des balles normalement. Ah bah si, il y a la manœuvre rectiligne dessus. Je sais plus où on les prend les balles. Voyons voir. Bah, je vais regarder un peu, en même temps je m'informe. Oui, si, ça. Par exemple, des fois on a un autre snipe à la place de celui-là. Enfin, vous voyez, on n'a pas les snipes, c'est un peu relou, je trouve. C'est quoi ça? Mire thermique? Ce qui est bien, c'est qu'on a chargeur amélioré, ce qu'on n'avait pas sur BF4. Qu'on avait sur BF3, mais qu'on n'avait pas sur BF4. Donc c'est bien qu'il est remis. Des fois, ils enlèvent des trucs comme ça juste pour faire chier, on dirait. Oh merde. GG. Oh! Oh, je suis déçu. Bon, je vais arrêter le snipe parce que c'est vraiment une calamité là. On va juste mettre un petit camouflage pour terminer. Celui-ci plutôt sympa. Je sais pas combien on peut mettre d'accessoires à peu près. Ça va être 4 aussi, un peu comme sur BF4. 3 ou 4, je sais plus. C'est bien. J'aime bien qu'on peut vraiment bien customiser son arme. Lui m'a vu. Ok, il est mort. Il y en a un autre et on voit juste ce petit morceau de tête, c'est un peu dommage. Ah dommage, j'ai pas tué le dernier. Bon voilà, un petit 32-22, voilà, 33-22 pardon. Donc j'espère que cette vidéo sur Hardline vous aura plu, puis ben, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur ce jeu. Donc moi sur ce, les gens, je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine. Et n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Allez, salut tout le monde.